Hello tout le monde, voilà, deuxième vidéo de Kingdom Hearts 3, partie où on va commencer à rentrer dans le domaine de l'Olympe, et je pense qu'on va avoir de jolis combats épiques, donc je vais pas vous faire patienter, et puis on va directement attaquer. Allez, c'est parti. Allez, c'est reparti, après avoir sauvegardé au Belvédère, on va continuer un peu notre petite escapade. Alors, qu'est-ce qu'on a par là? Pas grand-chose, à part des 100 cœurs qu'on voit par en bas. Ah. Someone help! Where did all these monsters come from? Hercules! Where are you? Oh no! Help is on the way! We'll put these hotheads out! Hang on up there! Huh? Who are you three? Where is Hercules? Well, he was too! Allez, c'est reparti, des petits sangs-cœurs en feu. On va éviter de se faire cramer les fesses comme chaque fois. Ouh, ils sont costauds ceux-là là. Allez. Allez, qu'est-ce qu'on va utiliser? Allez, un petit tour. Voilà, ça va être bien. Oula, celui-là je l'ai pas vu venir. Allez, vas-y. Ah. Allez, vas-y. Voilà, ça c'est fait. Putain, si je me trompe pas. Allez, encore un petit coup. Voilà. Ça c'est fait. Ah non, oula, il y en a un putain de feu là. Oh, dingo qui vient de se faire cramer les miches. Et moi, en même temps. Allez, vas-y. Voilà. Alors. Thank you, you're so kind. Keep training and one day you'll be great heroes, just like Hercules. Keep training? Is it that obvious? Just for you. Hey! Well, I think we all have a ways to go. But we'll get there together. Yeah, we will. Go. Allez, c'est reparti. Alors, par où on va aller? Allez, hop, on va aller sur la droite. On verra bien ce qu'on va trouver. Une statue. C'est un cul-de-sac, si on dit... Ah, attendez, on peut le casser, on dirait. Allez, vas-y, encore un petit coup. Voilà. Ça nous ouvre... Ah, ça nous ouvre un petit passage, on dirait. Qu'est-ce que c'est que ça? Clou de girofle. Ok. Ah, un petit coffre. Qu'est-ce qu'on a? Anneau magique. Tiens donc. On va regarder à qui c'est qu'on peut le mettre. Bah, à nous, tout bêtement. Voilà. Est-ce que je peux le... Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On va se mettre... On va se mettre un petit éther. Voilà. Est-ce que je peux mettre aussi Adana? Ah non. L'anneau, je pouvais le mettre qu'une seule fois. On va lui mettre un petit éther à Donald aussi. Et à Dingo. Il a déjà deux potions. Bah, on va laisser comme ça pour l'instant. Voilà, bon, déjà ça. Ça, c'est du costaud. Ça va être un des titans qui nous a balancé ça sur la figure. Ah, attends, qu'est-ce que...
Du romarin, ok. Ouh, ça va la petite glissade. Alors, le livret. Ouh, alors là, si jamais, là, si je me souviens bien... Ah bah voilà, on peut grimper. Et je pense qu'on peut aller de gauche à droite. Ah, voilà, on peut courir à gauche et à droite. Ouh, des 100 coeurs là. Ouh, ça va être costaud ça. Bon, alors, où c'est qu'ils sont? Voilà, il y en a un juste là, ça va. Lance dingo. Bon, hop, comme ça. C'est une petite attaque sympa, mais qui a tout son effet en fait. Là, ça m'en a déjà explosé un. Et sont où les autres? Ah, évidemment, dans le brasier, donc on va cramer les fesses en tombant. Ah, juste, juste. Hein. Là, on va se faire aussi cela là. Allez, vas-y. Voilà, ça c'est bon, il doit en rester quelques-uns. Vas-y. Ah, oh là là, voilà, ça c'était couru d'avance. Maintenant faut essayer de remonter le plus vite possible pour éviter de perdre le maximum de vie. Il doit quand même nous en rester un ou deux qui traînent à quelque part. Par où il est? Par où il est? Ah, il est en bas. Bon bah, on va déjà voir là en haut. Parce qu'on a des petites jarres, mais à mon avis, on va essayer de finir déjà en bas. Ah, moi aussi, je vais me cramer les fesses. Ça, c'est couru d'avance. Il est où? Allez. Ouf, allez, 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 vas-y, regarde, regarde. Ah, il est là. Voilà, c'est celui. Voilà, ça c'est fait. Voilà. C'est pas évident. Voilà, allez hop, cette fois c'est bon. Je crois que je les ai tous eus. Allez, non. Oh. Ouais, bah oui, ça fait, ça chauffe, hein. Allez, 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 vas-y, remonte, voilà. Ah non, pas les regarder là en haut. J'ai rien d'autre à m'armer en fait. Bon, j'ai vu qu'il y avait un petit coffre là derrière. Et tout ça c'est des 100 coeurs. Bon, on va vite s'en occuper. Allez, le lance dingo. Lui il est tombé tout seul. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Méga potion, ça c'est intéressant. Et là, un éclat affamé. Et je crois que on a fait le tour par là. Là, où qu'est-ce qu'on a de beau? Rien du tout. Bon, bah, on va pouvoir descendre. Hein. Ah, mais il y en a deux qui se sont tombés là. Il y en a encore un qui traîne à quelque part. Il est où? Je l'ai vu avant. Non, bah alors c'est bon. Ok. Bon, allez, hop, la suite. Oula. Ah, là, ça, c'est des petits sans-cœurs. Je voulais essayer une technique avant sur le poteau, là, mais... On peut pas grimper. Je pense qu'on peut simplement glisser. Ah, des petits sans-cœurs qui embêtent des gentilles personnes. On va vite s'en occuper. Allez. Hop. Qu'est-ce qu'il nous reste? Encore un ou deux là. Allez. Voilà. Ah non, il y a encore. Mais hein, plus on en tue, plus ça arrive. Allez. Un petit lance dingo, ça ira bien. Ah, mais il y en a un autre qui est un peu plus gros qui est là aussi. Allez, ça c'est fait. Là, ce qu'on... Enfin, je pensais avoir fini, mais en fin de compte, il y en a deux qui arrivent.
pleine vitesse. Un petit coup de flotte parce que celui-là il était tout en feu donc j'y sentais mal. Allez, vas-y, celui-là aussi. Il nous en reste quelques-uns. Allez hop, je lance fusée. Vous avez un petit groupe de 100 cœurs, puis vous pouvez utiliser ça, c'est vachement pratique. Ça, je sais qu'on est un héros. Bon, allez, hop, ça c'est fait. J'ai un petit éther pour mettre MP, mais ça c'est bon. Une petite potion, voilà, je suis à fond. C'est parfait. Allez, par où on va? Là, on a déjà été voir. Allez, hop, on récupère quelques poignées. Moonies. Où va-t-on? Qu'est-ce qu'on a par là en haut? Là-bas, on a des 100 cœurs. Ah bah voilà, hop, et des personnes. Ah, vite s'en occuper. Allez, vas-y, pas faire trop de temps. C'est bon, allez, vas-y. On vole là, c'est des petits sans cœur qui volent là. Ça doit être le dernier celui-là si on ne trompe pas. Parfait, alors là il y a des petites jarres, on va s'en occuper, prendre ça, voilà. Allez, passer vers les habitants. Voilà, on a obtenu une petite éther pour les MP. Et puis par là, vu qu'il y a du feu, je pense qu'on va utiliser la trioluge pour passer par là. C'est ça. Allez. Allez, c'est parti. Un petit coup de trioluge. Juste. Alors, on a reçu du persil. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre là? Truffe noire. Des petits moonies. Il y a un petit coffre. Qu'est-ce qu'on a beau? De l'éther. Bon. Ok, bon, on revient en arrière. Alors, vu que là-bas, on peut pas accéder. Un petit coup de trioluge aussi. Allez. On était allé à gauche là. Ouh, pas choix. Allez hop. Un petit jump, sympathique. Qu'est-ce qu'on a là? Là on a rien de beau à part. Non. Bon allez hop, on descend. Oh là! En plus, ça fait nous envoyer des flèches. Allez, on va s'occuper du petit fuyard là-bas. Viens voir là, toi. Voilà. Il n'y aura pas plus loin comme ça. Allez, ça c'est fait. C'est des lâches, ils s'enfuient. Il y en a un qui est camouflé là-haut. Allez, hop. Voilà, hop, ça c'est fait. Après, par où? Des petits tonneaux, une petite casse avec des moonies. Là-bas on peut pas. Là c'est coincé aussi. Alors on arrive à Venel. Huh?
More Heartless! You take them. We need to save these people. Herc, can you hold the building? No problem. Donald, Goofy, we gotta do this quick. Alors, magie puissante. Au fur et à mesure que vous utilisez la magie pour infliger des dégâts aux ennemis, une jauge située en dessous du menu commande va remplir et afficher une commande contextuelle. Pour la même magie, un niveau supérieur, il s'agit de la magie puissante. L'utilisation de la magie puissante ne puise pas dans les MP. Ok. Changement de forme. Au fur et à mesure que vous infligez des dégâts avec votre Keyblade, une jauge située au-dessus du menu commande va se remplir et afficher une commande changement de forme. Vers appuyer sur triangle pour changer. Utiliser la commande. Ok. Bon. Une fois le changement de forme effective, vos combos sont plus puissants. Vous accédez à une technique de fin dévastatrice qui peut être activée en appuyant sur triangle. Le changement de la forme prend fin. D'accord. Alors, après, on a sélection des commandes contextuelles. Alors, plusieurs commandes contextuelles. Vous pouvez défiler vos ces commandes comme suite. Commande de type A avec L2. On fait défiler les commandes contextuelles lorsqu'elles sont affichées ou avec B et la petite flèche. Bon bah on va aller s'attaquer. Et en plus on a du temps, on a seulement 2 minutes 50 à peu près ou 3 minutes. Donc il faut pas traîner. Dès qu'on a une petite commande comme la seconde forme, faut pas hésiter, faut la mettre parce que sinon il faut aller le plus vite possible. Seconde forme avec un petit coup d'éclair. Les énormes qui sont en feu parce que là, allez, vas-y. Là, là où il est fait. Allez. Voilà, ça fait aussi. Je viens de me craquer. Ah, je me suis fait cramer. Allez, un petit coup de flotte. Voilà. Ah ouais, donc on a chargé et puis d'un coup on lance. Encore c'est un peu plus costaud. Allez, un petit coup de lance dingo. Augmenter les chances d'aller un poil plus vite parce que là il nous reste 2 minutes et il y en a une craquée. Faut vraiment pas traîner. Allez, seconde forme. Circle. Une d'impact. Voilà. Voilà. Ça en enlève pas mal d'un coup, mais il y en a pas une craquée, hein. Allez. Voilà. Ah, puis il y en a encore qui arrivent. Ah non, c'est pas possible. Allez, lance d'un coup, parce qu'il faut tirer, là. Il nous reste une minute. C'est vraiment stress. On va voir ce qu'on... que ça donne. Ah, je sais qu'il faut que je se dépêche. Allez, 45 secondes. Ça va être serré. Hein. Il en reste normalement 2. Allez. Putain. Ah non, oh, il y en a un peu plus. Ah non. Donc, ça va être tendu là. Oh. Ah, 26 secondes. Oh mes aïeux. Ah, c'était tendu. Get the people out. Okay. Are you guys all right? You need hurry, to get to safety. Hurry. Go quickly. Hercules!
Huh? Wow! Oh, you scared us! It's nothing. That's what these are for. Huh? Oh, wow. Very nice. Oh, Marks. No organization! You're Zigbar! All this altruism is giving me the warm and fuzzies. So then, does having a Heart of Light come with an extremely good insurance policy? Just say what you mean. Oh, but I did, though. No good will ever come from putting other people first. I was able to save Meg's life because I was ready to risk my own. Because you've got friends in high places, you mean? Tricks like that don't fly for your average Joe. What do you know? You weren't even there. If you were, you'd admire Herc's courage. I don't admire one guy leaping into danger if it means someone else might have to jump in to save him. You're all just lining up to lose out. Dooming others to take the fall with you. Oh. And you can spare me the usual party line. Yes, hearts are powerful when they're connected. But if you put too much of that power in one place, some of those hearts might end up breaking. Still, Sora, that doesn't mean you should change. Accept the power you're given. Find the hearts joined to yours. Why would I ever take advice from you? As if. You don't have any choice but to follow this sweet little trail of breadcrumbs. And at the end, you'll finally realize what destiny has in store for you. In fact, your reward might be right around the corner. You're so close! Hearts breaking? Whose hearts? Sora, don't let him bother you. He's just trying to get under your skin because he thinks he can. But we'll prove him wrong. We'll show him that our sacrifices haven't been for nothing. You're right. Mm-hmm. Besides, we're already proof enough. We're a team. When we're together, we can do anything. Yeah. What reward? Bon, allez, c'est reparti. Par où va-t-on aller? Bon, de toute façon, on va pas redescendre. On n'a pas trop le choix. Parce qu'on vient depuis là-bas en haut. Allez, c'est parti. Ça fait une petite chute, hein, dis donc. Qu'est-ce qu'on a là? Des pleurotes. Bon. Du laurier, du cèpe. Après, qu'est-ce qu'on a là? Du Fujibafle, des petits minis. Ah, un petit coffre. Qu'est-ce qu'on a reçu? Une petite potion. Allez hop, on va casser ça, à mon avis. Costaud celui-là. Ah, attraction. Face aux ennemis, il se peut qu'un cercle vert s'affiche autour de l'un d'eux. Attaquer l'ennemi indiqué pour une commande d'attraction verte apparaisse. Appuyez sur triangle pour l'utiliser. L'attraction, c'est des manèges incroyables qui frappent sur une large zone. Leur apparition dépend de l'endroit où on est. Oula. Et puis il y a un costaud là. En plus, je suis coincé. Allez, c'est dans le bras pour me coincer. J'essaie d'attaquer longtemps. Des petits sans cœur. Il y a un bateau pirate. On va déjà essayer de taper un petit peu pour voir. Mais on va essayer, allez hop. Bateau pirate. Oh là, en plus c'est le joli. Alors, on fait comment? Ça avance, avec le X, on peut attaquer et on peut
se déplacer. Alors, faut déplacer pour pouvoir viser l'ennemi et pour pouvoir lancer des boules de l'eau. Et si jamais attendez le dernier moment pour faire un coup de grâce comme ça, vous gagnez le maximum de temps. Et maintenant, à l'heure, j'ai loupé pas si rapide. Il faut vraiment attendre le dernier moment pour utiliser le coup de grâce parce que comme ça vous pouvez mettre le plus de. Envoyer plus de dégâts à votre ennemi. En tout cas, il est. L'info, il a 3 jauges. Sans compter les petits sans cœur qui nous malmènent. C'est bon forme déjà. On a quoi ? Boom impact, vas-y. D'abord, un petit coup. Allez. Ah. Comme rage. Oh, c'est intéressant. Vas-y, vas-y, vas-y. Ouh, c'est du costaud ça, ça envoie du lourd. Ah, j'aime bien ça. Grâce. C'est alors la forme rage, c'est costaud ça, bien. Nice job, Wonder Boy. We checked the whole area. It looks like everyone's safe. That's great. We did what we could. You heroes have been busy little bees. Oh, look. More trouble. It's Hades. Herc, let's go. Right. Allez, c'est reparti. Alors, on doit aller au mont Olympe avec Hercule, mais déjà, on va aller sauvegarder. Hein. Voilà. Après, à la boutique Mog, qu'est-ce qu'on peut acheter ? Des armes, il n'y en a pas. Ceinture bouclier, tiens. Oui, on va en prendre une. Anneau de compétence. On va aussi en prendre une. On va prendre un petit anneau. Voilà. Il nous reste seulement combien ? 59 monies, on va pas aller bien loin. Hein. Et on a reçu une carte postale. Bon. Alors, par contre, à Donald, on va lui mettre le bouclier, la ceinture bouclier et l'anneau de compétence. Et je crois qu'il faudra qu'on y fasse la même chose pour Dingo dès qu'on peut. Allez, c'est reparti. Pour rejoindre le sommet. En tout cas, c'est sympathique. Avec la petite rivière, comme ça. That's odd. Des petits sans-coeurs. Ils volent tous en plus. On va pas se les savoir. Bateau pirate. Allez, on est fou. C'est pas le meilleur endroit pour l'utiliser, mais c'est pas grave. Allez, allez, vas-y. Yes. Ça tombe bien. C'est pas mal. Je pense qu'il irait mieux sur un gros méchant. Le coup de grâce. En le visant comme il faut. Allez, hop. On continue à grimper. Ah, un petit tonneau. Éclat nébuleux. Le soleil a l'air d'être un peu plus coriace. Yes, now we know why the river's flooded. Alors, ils ont l'aura d'eau autour d'eux. Ça fait office de protection.
pour une petite protection qu'ils peuvent envoyer contre toi. Allez hop, fusée, c'est parti. Ouais, c'est un méchant tutoriel. Hein. Je suis fait envoyer de l'eau dessus. Allez, voilà. Ah, ils sont costauds ceux-là, ils tiennent. Allez, brasier, tape. Ah, faut serviser. Allez, je suis presque que. Yep. Bien en face. Ça va, ça descend pas trop vite, ça va. Et celui-là c'est fait. Et hop, encore un ou deux. Ah non, il y a encore un petit paquet là, dis donc. Bon, un petit lance d'un goût. Ils étaient bien groupés, donc on va faire quelques effets. Ah c'est ça, on a éliminé 3 ou 4 d'un coup. C'est bon, il en reste je crois juste un. Et voilà, c'est bon, on les a tous eus. Ah non, oh bah dis donc, ils se sont cachés ceux-là. Hop, je suis venu bien, c'est un peu plus bas, voilà. Voilà, le dernier, ça c'est fait. Allez. Par où qu'on grimpe maintenant? Bidon. Ah bah là on grimpe. Allez hop. Et le un petit coffre. Alors qu'est-ce qu'on a dans ce petit coffre? La carte du mont Olympe. C'est bien ça. On dirait qu'il y a des petites pommes. Oh des pommes. On est par où après? Là on dirait ça. Oh, encore. Je comprends d'avoir fini, là, ils apparaissent de nouveau. Bon, ceux-là ça va, c'est pas des trop gros, des trop compliqués à battre. Allez, un petit coup de fusée. Bah voilà, tous eus en même temps. Ah zut, ah, je croyais qu'on pouvait grimper mais non, faut sauter. Voilà. Gauche ou droite quoi, allez, popo. Allez à gauche, on verra bien. Non. Ouais, à droite. On verra bien. Si c'est un cul-de-sac, on ira sur la gauche. Ah non, pas eux. Bon, pas le choix. Allez, c'est parti. On essaie de passer assez rapidement si on y arrive. Allez, vas-y. Là, c'est fait. Oh là, ok. Vas-y. Allez, allez, allez. Ah, voilà. Il faut pas aller vers la toile. Pourquoi j'arrive pas? Ah bah oui, je suis mouillé. Pourquoi je peux plus attaquer?
Ah oui, la commande était sur, sur le mauvais. Ah voilà pourquoi je pouvais pas attaquer. Ah, ça va mieux là. C'est 4 puissants qu'on a reçu, parfait. Allez, un petit coup de seconde forme. Le zoom. Et ben voilà, ça c'est fait. Looks like we can climb that rock face now that the waterfall's gone. On arrive à grimper par la cascade. Après, où c'est qu'on peut monter? On va aller vers la cascade, parce qu'on n'a pas trop le choix, on dirait bien. Là, on a quoi déjà? Des féminises. Non, là, il n'y a rien. Voilà. Voilà, là, on peut grimper. Après, j'ai vu un petit saut. Pas grand chose dedans, mais bon. Encore? Ah, par contre, on va retomber, ça c'est vraiment cool. Bon. Ah, donc ça c'est nouveau ça. Intéressant, mais faut qu'il y ait un petit peu de mini. Combien il y en a d'ailleurs? Ou moins un, j'en ai eu ou moins un. Ah, le jab. Bon, on va remonter, hein, pas choix. Ils sont par là. On a vu, ils nous ont suivi les petits sans cœur. Bon, quoi qu'à faire, on va s'en occuper par ici. Ouh, c'était juste, juste, hein. On est arrivé par là en bas. Un petit passage, voilà. Après, faut sauter là-dessus. On va déjà aller de l'autre côté. Ah non, bah voilà. Bon, ils sont venus vers nous, hein. Hop, ça c'est fait. Qu'est-ce qu'on a vers l'arbre là-bas? Comme vous pouvez voir aussi, en même temps, j'ai un chat qui m'observe jouer. Mon fan numéro 1. Bon. Après. Un peu pour vous par là, voilà, allez hop. Ah, des petites statuettes. On a qui Phil et Hercule. On peut grimper par là aussi, ces espèces de gros escaliers là. Ça nous amène où? Dans un guet-apens. Lui c'est blindé de sang cœur. Oh, ah, là c'est vraiment blindé. Allez, pas de quartier je crois. Seconde forme. Bah, on dirait qu'ils disparaissent. Ah, est-ce que ça revient? Allez, un petit lance dingo. Non, pas le lance dingo. Oui. La seconde forme. Un peu plus de poids. Vu la quantité, on peut éviter un peu fort le plus rapidement possible. Ceux qui sont... Bah, je crois qu'on les a tous eus. Qu'est-ce
qu'est-ce qu'on a reçu? Une potion. À d'autres compétences, bah voilà, parfait. Bon, cette fois, on va aller sur la droite. On va monter par là. Gauche, droite. Cruel dilemme. Bon, ça, on peut déjà faire ça. Je vois pas à quoi ça nous aide, mais bon. On va aller par la droite, on verra bien. Pourquoi il y a tant froid? Là. Là quoi? Ah ah ah! J'ai oublié un truc là. Un éclat nébuleux. Bon, pour finir, je sais pas, à droite, gauche. Allez, on va aller comme voir à gauche pour finir. Ah bah, je sais pas si c'était une bonne idée pour finir. Bon, à un moment donné, il y a tout exploré hein, donc. Allez, par où après? Petite caisse. Voilà. Petite jar. Voilà. Le centre. Oh! La petite statuette du papounet d'Hercule. Zeus! Bon, normalement, on devrait monter au lieu de descendre, mais bon. Oh, un joli guet-apens, ça. En plus, ceux-là, là, ils ont des jolis pics derrière, à mon avis. On peut essayer d'éviter ça au max. Par contre, ils sont coriaces, ceux-là, ils sont costauds. Forme. Récupère. Wow, on s'est fait attaquer. Ils sont envoyés sur vous. Cool, c'est bizarre. Ah, comment ça, je suis. Ah, j'étais quasiment KO. Allez. Ah, mais ça marche pas trop mal aussi, hein. Oh là, en plus. C'est quoi ça? Il y aura un gros serpent. Je transforme en sable, je fous le camp. J'ai des 100 cœurs de sable. Avec cette bestiole là qui. Cette espèce de gros verre de terre là au milieu. Il nous envoie des jets de sable. Là qu'on finit ces espèces d'hérissons là. Bon allez. Tiens, continue. On va s'attaquer à ce verre de. Ce gros verre de terre de sable là. Comment on attaque comme ça? Je sais pas trop. Là, je lui fais absolument rien. Ah,
Je sais pas, mais bon, allez hop là, faut rejoindre le sommet. Bon, cette fois, faut remonter, mais par où? Ah, là, ensuite, ah, il y a déjà un coffre. Un booster PC. Par où faut-il passer? Non, t'as pas une bonne idée. Là non plus. Ah, peut-être sous vers les pieds de Zeus. Ouais, là on peut monter. Parfait. Hop, après, sur la droite. Et on remonte, c'est parti. Bon bah vu qu'on était venu à gauche, peut-être qu'on va aller à droite. This sure does feel awfully familiar. Yeah, just like before. Guys, this is getting worse by the minute. I hope I'm wrong, but my family may need me. Sora, I'm gonna fly ahead. You've been a big help, but leave the rest to me. Family? Yeah. Dad's king of the gods. What? His father is a god. But doesn't that mean Herc is a god too? Oh, I think it does. No wonder he's so strong. Then he'll be okay. Won't he? No. Organization 13's here. He'll need our help. Good point. We gotta go. The heroes never quit. Huh. That's tough. All I know is that she was in trouble. Suddenly, I wanted to save her with all my heart. We fight with all our heart. Come on. Et ben voilà, deuxième vidéo faite. Donc la prochaine fois on va attaquer comme il faut le mont Olympe et j'espère que ce sera la fin de cet arc avec Hercule. Donc si cette vidéo vous a plu, vous pouvez me laisser un petit commentaire et puis un pouce bleu, et vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne. Allez, à bientôt, ciao ciao.